Que se passe-t-il dans la salle des profs? Tous les jours, à l'école, je vois l'affiche sur la porte. Salle des profs. Ce n'est pas juste. Pourquoi les élèves n'ont pas le droit d'entrer dans la salle des profs? Oups! La porte est entrouverte. Je jette un coup d'œil à l'intérieur. La première fois que je regarde, je vois ma professeure. Elle fait du surf. Une autre professeure est en tenue de randonnée. Elle escalade une montagne. Je regarde encore une fois. Tous les profs font de la plongée. Ouf! L'un d'eux l'a échappé belle. Je regarde dans le coin de la salle. Il y a des professeurs qui font du ski. La neige est parfaite. À la cafétéria, les élèves mangent leur dîner. Dans leur salle, les profs mangent de la soupe aux yeux de grenouille, de la pizza au cerveau de serpent et des petits gâteaux aux ongles d'éléphant. Je me demande si c'est bon. Après le dîner, je regarde encore dans la salle des profs. Mon professeur d'éducation physique lutte contre un grizzly. D'autres profs se promènent dans la forêt tropicale. Ils sont entourés d'oiseaux colorés. Je raconte ce que j'ai vu à mes amis. Ils pensent que je mens. Personne ne me croit. Lorsque mes amis regardent dans la salle des profs, rien d'étrange ne se passe. Tout est normal. Mais lorsque j'y jette un autre coup d'œil, les professeurs sont montés sur des chameaux. Ils font leur course au souk. Les enseignants de maternelle visitent les pyramides d'Égypte. J'aimerais bien pouvoir entrer dans la salle des profs. J'en vois un qui pêche. Les autres ramassent des palourdes et attrapent des homards. Attention! Plus un geste! Les profs sont maintenant en safari. Je vois un lion, un guépard et des hyènes. Je regarde un professeur nourrir un épaulard tout en faisant du ski nautique. C'est à ce moment-ci que le directeur me voit. « Retourne en classe, » dit-il. « Arrête de regarder dans la salle des profs. » Quand je serai grand, je serai professeur. La fin.